Si est-ce typiquement le genre de rencontre que l'on voudrait éviter? Le 21 septembre dernier, Meghan Markle et le prince Harry se sont envolés pour Amsterdam afin d'inaugurer la très privée Soho. Et si est-ce lors d'un petit déjeuner, que le duc de Sussex a croisé son ex? L'actrice Jenna Coleman était également venue à l'inauguration du nouvel hôtel, accompagnée de son petit ami. Un moment gênant que le prince Harry a préféré surmonter en ignorant la jeune femme, comme le rapporte un témoin à Vanity Fair. Harry n'avait pas d'autre choix que de passer juste à côté de Jenna pour atteindre sa table, rapporte la source au magazine. C'était vraiment bizarre. Point. Jenna a baissé les yeux, et Harry lui regardait bien droit devant lui, alors que Meghan avait l'air de ne pas réaliser ce qui se passait. Une rencontre visiblement inattendue qui a moins échaudé Jenna Coleman que le frère du prince William. Elle a pris son petit déjeuner en gardant le sourire tout le long, mais Harry avait plutôt l'air gêné. Il a été très aimable, a dit bonjour à tout le monde, mais il n'a même pas fait mine de se rendre compte de la présence de Jenna, a conclu la source à Vanity Fair. Le prince Harry et Jenna Coleman auraient eu une liaison de quelques mois en 2015 avant que celui-ci ne rencontre Meghan Markle. Et même si l'histoire est ancienne, le duc de Sussex ne semble pas avoir gardé de bons rapports avec l'actrice, contrairement à ses ex Chelsea Davy et Cressida Bona, qu'il avait invité à son mariage.